Allez, ce matin, on se motive. Je vais faire des avocats de toast. Ça fait trop longtemps que j'en avais pas fait. Waouh, c'est trop beau! Je savais pas qu'Yves Saint-Laurent avait fait un calendrier de l'Avent. D'ailleurs, je crois que c'est leur premier. On est assortis avec mon vernis. C'est un vernis, j'ai mis deux vernis de chez Kiko, c'est la collection de Noël. Je l'ai trouvé vachement joli. Bref, je savais pas qu'ils avaient sorti un calendrier, d'autant plus que je crois, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, c'est leur premier, non? Parce que l'année dernière, ça me dit rien du tout en calendrier Yves Saint-Laurent. Mais c'est vraiment trop, trop joli. Pochette, elle est vraiment trop cute. Vraiment, l'univers Too Faced, c'est trop trop cute. J'ai reçu du coup le mascara Better Than Sex, hein, l'un des best. Je pense que vous le connaissez tous, c'est l'un de mes préférés. La formule waterproof et le liner, pareil, c'est l'un de mes meilleurs liners. Je vous le recommande à 1000% si vous le connaissez pas. Il est vraiment trop trop bien. Et du coup, le tout avec une petite pochette, c'est vraiment trop cute. À l'ancienne! Bon, l'écran il est un petit peu dégueulasse, désolée, j'ai mis mes doigts. Regardez ce que j'ai reçu, je suis trop heureuse. C'est la Game & Swatch de Nintendo. Je sais pas si vous l'avez vu, ils ont sorti une petite console style années 80, mais avec l'écran couleur, j'ai trop hâte de tester. Je pense que je vais. Si vous me cherchez ce week-end, vous savez où je suis. Par contre, on l'allume comment? S'allume comment? J'adore! Hyper vintage! Je kiffe! Attends, c'est la honte, il faut supprimer, on recommence. Yes. Ah, c'est un champignon. Depuis quand il y a des champignons empoisonnés? Eh, je suis une catastrophe. Je vais m'entraîner tout ce week-end là, ça va pas le faire. Je peux plus aller par là. Et il faut que je me remette dedans. Tu mourras pas deux fois, je peux te le dire, toi. Par contre, ça se fait pas qu'il n'y ait pas d'autres champignons. C'est vraiment. Ah ouais, c'est vraiment. Je pensais que c'était ça tout à l'heure. Attendez, hein, me jugez pas. Hein, je me remets dedans, ça fait longtemps. Ce filtre, on dirait que t'es un peu bourré, non? Parce qu'il y a les filtres comme ça où ça fait cute. Mais là, ça fait un peu, je suis bourré. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour le week-end, comme si ça changeait quelque chose, vu qu'on doit rester chez soi. Ah. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que ça n'a pas été trop difficile. Moi, c'était hyper chargé, comme toutes les journées en ce moment. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai trop hâte que vous voyez tous les contenus qu'on vous prépare, que ce soit moi sur ma chaîne ou sur la chaîne d'autres personnes. Ça va être trop trop cool, plein plein de surprises. J'arrive pas à éteindre cette lumière, c'est un truc de ouf. Bref, je viens de finir ma journée, enfin finir. Il faut que j'éteigne à un moment donné, mais j'ai pas fini ce que j'ai à faire. Je vais aller me démaquiller, me mettre en pyjama. Alors, en tout cas, j'espère que vous, ça va. Je vous ai pas oublié. Alors, j'avais préparé une vidéo pour aujourd'hui. Elle était prête, hein. Et j'ai complètement oublié de vous la poster. Je viens à peine de vous la poster. Donc, n'hésitez pas à aller checker si vous savez pas quoi faire. Je vous ai posté mes favoris et mes flops de ces deux derniers mois. Parce que je crois que depuis août, je crois que je vous en avais pas fait. Donc, voilà, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de tops. Mais il y a malheureusement il y a beaucoup de flops. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de flops quand même dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est toutes catégories confondues. Mais soins, make-up, mode, gourmandise, séries, films. Il y a un petit peu la totale dans ces favoris. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et je devais vous dire autre chose. Je m'en rappelle plus. Si ça me revient, je vous dirai. Ça va revenir quand j'y penserai pas. J'espère que vous ça va, que vous avez passé une bonne journée. Pour être honnête avec vous, je suis contente que cette semaine se termine quand même. Même si demain je dois bosser encore, demain matin je vais essayer de me lever tôt pour finir une vidéo, notamment la vidéo que je vous poste dimanche. Un peu show light. Franchement, cette semaine elle est dure. Je vous jure, elle est dure. Elle est très très dure. Mais bref, je vais aller me mettre en pyjama, je vais enlever ce soutif parce que on le sait, hein, les meufs, le meilleur moment de la journée c'est quand on enlève ce soutif. Et je vais aller me démaquiller, on va aller manger, je pense qu'on va se commander un truc parce que clairement on a la flemme et tous les deux on est KO. Et je pense qu'on va se mettre un petit film tranquillou pilou. Ça va être bien. Ça va être bien. Je traîne trop avec mon mec, ça a pu. We got it together, didn't we? Nobody but you.